Hey yo, salut les guys, c'est Sergi encore une fois. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure sur Football Life 2023, PES 2023, les guys. Et donc, on va jouer un match très important, je crois. Ça sera l'Europa League. Bon, ça sera contre le FK Rostov. On s'était laissé sous Wolfsburg. Il y a un abonné qui m'a demandé de jouer tous les matchs avec vous. Je crois que chacun d'entre vous, je pense que vous serez d'accord qu'on joue tous les matchs. Donc, du coup, je ferai des vidéos un peu plus longues. Donc, j'essaierai de faire 10 matchs par vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va d'abord voir. Bon, si je ne fais pas des longues vidéos, il n'y a pas de souci. Donc, on va directement, je vais directement appuyer. Là, je joue avant-centre. Et comme je dis, on va faire des vidéos un peu plus longues de 10 matchs. Et espérons que je vais y arriver parce que ça sera difficile. Je sais que je suis un mauvais youtubeur. Je ne poste pas très souvent. Et je crois que poster même tout le temps, tout le temps, tous les jours, ça serait un peu chiant pour vous. Et je crois que vous perdrez un peu la note. Ça, je vais poster un peu tous les 2 jours. Bon, là, ça fait 3-4 jours, je crois que j'ai pas posté. Mais je posterai un peu tous les 2 jours. Alors, pour mon avatar, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas dans le jeu. Hein. Regardez, j'essaie de le mettre là. Attendez, je vais voir ce que je peux faire là. Je comprends pas, en fait, mon avatar. Parfois, il marche, parfois, il ne marche pas. Donc, moi, j'ai vu que ça marche seulement quand je joue sur OBS. Et là, c'est gros match contre FC Rostov. Là, je suis sur OBS, je suis en train de galérer, j'ai envie. Ouais, je vais agrandir l'écran juste sur OBS. Donc, il n'y a pas de souci, on va jouer sur OBS. Et là, comme je vous dis, je suis en train de préparer une série sur GTA. Sur GTA. Vous allez voir, ça sera trop bien. J'espère que vous allez aimer. Et tout. Là, ça commence à bugger de mon côté sur OBS. Je crois que OBS, c'est pas peut-être la meilleure façon. Bon, j'espère que sur GTA, ça me fera pas ça. Hein. Allez, je vais passer tout ça. Tout, on a vu, on a vu. Allez, c'est parti. Oh là là, je suis fatigué. Je suis épuisé. En fait, ouais, j'ai trop joué beaucoup de matchs là. Allez, on va essayer de jouer calmement là. Il faut que je reste souvent sur ma position. Et voilà, passe décisive. On commence super bien là. En tout cas, je fais un match parfait sur un match parfait en Europa League. Ça, c'était, on a bien joué. C'est qui a marqué? Je sais même pas. Aujourd'hui, le maillot, notre maillot, il y a les noms partout. Hein. Je n'ai même pas vu c'était qui a marqué. Mais regardez, regardez. Là, je me suis dit, je voulais me retourner, mais j'ai vu qu'il y avait tellement de défenseurs. Et cette équipe joue en mode reculé. Donc, directement passé parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et j'ai juste trouvé la personne qui avait un espace. Et avec ce but, on espère, parce que vous savez. Parfois, des équipes avec lesquelles on joue. Allez, c'est parti, les guys. J'ai super mal joué là. Il a la passe, là. Peut-être. Ouh, j'étais pris. Hein. J'ai super mal joué de ce côté-là, mais voilà, j'ai passé à Mané là. Là, j'avais l'espace. Pourquoi j'ai pas pu marquer? Ah, j'étais bousculé. J'aurais dû protéger en même temps. La prochaine fois, il faut appuyer R1 et L2 en même temps pour pouvoir se débarrasser de son adversaire.
dangereuse, pénalty ou pas? C'est une occasion en or d'égaliser. Allez, il y a pénalty pour FC Rostov. Et la marque, c'est Neuer, je crois. Il n'a rien pu faire. Comme Lichenko qui marque un but. Regardez la faute. Allez, en tout cas, on est en train. J'aurais dû marquer le deuxième but là. Ça m'apprendra. Ça joue long. Bien vu, c'est intercepté. Davis. Voici un bon sang. Et le coup de tête là. Ça ne passe pas. Franchement, on n'y arrive pas. On est en train de dominer, mais on n'y arrive pas. Ils sont tous reculés et c'est normal. C'est une équipe qui joue reculée et joue contre Bayern. C'est normal qu'elle va jouer. Et là. Ouh là là. On a joué super 1-2. J'aurais dû peut-être avancer un peu plus. Allez, on est qualifié les gars. On est qualifié pour les huitièmes. Donc, j'aurais préféré qu'on gagne. Mais bon, j'ai pas mal joué. J'ai fait une passe décisive. Mais j'étais marqué de près. Et oui, vous voyez les gars, il y a quelque chose que je dois vous dire. Si vous voulez avoir une bonne note de 7, gardez votre position. Si vous êtes ailier gauche, restez à gauche. Si vous êtes ailier droit, restez à droite. Si vous êtes défenseur, restez derrière. Si vous êtes milieu, restez au milieu. Vous voyez, je viens d'avoir 7-7. Alors que j'ai pas vraiment fait un grand match, juste parce que je me positionne très bien. Et grâce à cette astuce, je crois que je pourrais augmenter ma note très rapidement cette saison. Ah, nous sommes deuxième. Mais nous sommes qualifiés, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai 6 buts, 9 passes décisives. En tout cas, je donne beaucoup, beaucoup de passes décisives. En fait, c'est ça mon jeu. En fait, je joue numéro 10. Mais bon, si l'équipe veut me jouer en tant que buteur, alors j'ai pas le choix, je vais devoir. Allez, aujourd'hui, je serai milieu offensif. J'aurais dû me reposer là. On a un gros match. Ça sera contre Stuttgart. Ça doit être un derby en Allemagne. Je ne savais pas que Stuttgart et Bayern, c'était un derby. On va cliquer et on va cliquer coup d'info directement. J'aurais besoin aussi de repos parce que franchement, il ne joue pas. En tout cas, mon avatar, ça ne marche pas. Mon avatar ne marche pas. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. C'est pour ça que je l'ai retiré, en fait. Peut-être il faut que je diminue la fenêtre de PES. Ça sera dommage, mais je n'ai pas le choix. Pour que mon avatar marche. Et sur le menu, il marche bien, mais dès que je commence à jouer au jeu, je ne sais pas. J'ai l'impression que peut-être c'est un problème de carte graphique, je ne sais pas. Attention là, je reste sur cette caméra parce que j'ai galéré sur l'autre caméra. J'ai raté beaucoup d'occasions parce que je ne voyais pas très bien sur celle-ci. Et là, je suis milieu offensif. Il ne faut pas que j'oublie. Je suis en train de me comporter comme un attaquant. Attention là. Et voilà. Enfin, on marque. Après des difficultés. On sait. Franchement, Stuttgart, ils nous ont fait galérer, les guys. J'étais à la clé au milieu, regardez là. Et puis on a même fait une faute sur moi là. Ici, j'avais déjà passé. Et là, Müller fait la jolie passe à Dani Olmo. En tout cas, Sadio Mané ne jouait pas très bien aujourd'hui. On a mis Dani Olmo. Donc l'entraîneur a bien réfléchi sur ses coups. Il y a faute. Et voilà, le deuxième but, les guys. Oh, ce but au meilleur des moments possibles. Ça fait deux buts. En tout cas, l'entrée de Dani Olmo a changé le match. C'est le but de Müller, là. Pourquoi j'ai pas vraiment très bien joué dans le match. Bon, j'ai gagné seulement des fautes. Et là,
Il a joué très rapidement là. Voilà. 2-0 les guys, 2-0. J'ai pas fait un très bon match, je suis pas vraiment satisfait de mon match. Je me demande quelle sera ma note. Ouais, c'est franchement, c'était un match difficile. On a mérité de gagner. On a eu 7 tirs en fait. Je savais même pas. J'ai une note de 6. Ah oui, c'est normal. J'ai pas bien joué et pourtant, je suis un milieu créatif. C'est pas comme ça qu'on va augmenter la note de la saison. C'est parti, Bayern contre Hertha. Et voilà, il nous marque un but. Hertha Berlin. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça vous donne un but. Il nous marque un but. En tout cas, on est en train de galérer en championnat alors que c'est là qu'on devrait dominer complètement. Je sais pas quel est le problème, quel est le souci. Et oui, on perd le match. Premier défait de la saison en championnat. C'est franchement dommage, c'est franchement dommage. On a super mal joué les gars, il faut oublier ce match en tout cas. Allez, voici match Europa League contre Sporting Braga. On va passer la cinématique et on va directement enchaîner le match. Quatrième match là de la vidéo. J'ai dit que je ferai 10 matchs, mais je crois pas. Est-ce que je ferai 10 matchs? Par contre, je me dis, si je fais pas 10 matchs, je ferai environ 8 matchs. Donc ça sera un peu dur au montage là. Parce que faut que je monte tout ça. Et le match est terminé. Un match pourri, je vous assure. Un match pourri. Je me suis énervé les guys. Franchement, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas en tout cas. Allez, c'est parti, FC Schalke contre Bayern. Les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Allez, c'est parti. Bon, là. Wow, quel centre, les guys. Enfin, on se délivre. On se délivre de cette série de défaites. J'ai l'impression que quand on PS, quand tu as une série de défaites, franchement, il faut chercher un moyen de débloquer ça parce que là. Là, parce que je devais me dépositionner parce que j'étais. Je sentais que. Je suis désolé, mais. Rester sur une position, c'est pas du tout mon jeu. Même si ça donne, ça augmente la note. Je suis aussi milieu offensif. Il ne faut pas m'attendre à marquer des buts et en plus, j'ai. Un gros niveau professionnel, je trouve assez dur. Oh, quel but! C'est un but magique, Dani Olmo. On va revoir ce but en tout cas. Regardez. Franchement, c'est magique. Oh là là, on prend un coup franc bête là. Franchement, les matchs dans ce jeu, c'est bizarre les guys. Aujourd'hui, le jeu est bizarre. Allez, on va à la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti les guys. Et oui, ça c'est super bien joué en tout cas. Deux passes décisives. Dani Olmo est franchement en forme.
cette saison. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Regardez. Là, je me suis dit, je vais m'excentrer pour laisser l'espace à Dani Olmo parce que je savais qu'il était juste derrière moi là. Ça fait 3 buts à 1, les gars. 2 passes décisives. En tout cas, les buts, j'arrive pas. En fait, on dirait que je suis marqué aujourd'hui. Chaque fois que je touche le ballon, c'est très difficile d'avancer. Je ne sais pas pourquoi. La jolie passe, peut-être une troisième passe décisive. Triplé pour les passes décisives. En tout cas, mon jeu est de retour, les guys. Je savais, voilà, je me suis entraîné. En fait, j'ai vu que mon joueur il est super fort en passe. Alors, je m'entraîne beaucoup à ça. Donc, voilà, aujourd'hui, une très jolie passe à notre pote là. Comment il s'appelle, Serge Gnabry? Là, c'est peut-être le but. Et voilà, on massacre Schalke. 5 buts à 1, les guys. Et pourtant, il n'y a pas quelques minutes, on se faisait dominer. On a failli encaisser un deuxième but. 3 passes décisives et un but. C'est franchement le match référence, les guys. 3 buts. Du champion, troisième but du championnat. C'est un superbe but. Merci pour la passe. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites, il fallait le sortir. Et le match est terminé, les gars. 5 buts à 1. Franchement, j'ai fait un match de malade. 3 passes décisives. Et là, j'ai débloqué un peu mon équipe. 8 notes de match. Franchement, c'est mérité aujourd'hui. Alors les gars, on va jouer contre Werder Bremen pour le prochain match. Ma voix a un peu changé. En fait, j'ai pris cette vidéo pour 2 jours. Hier, j'ai joué juste 5 matchs. Aujourd'hui, je crois que je vais jouer encore peut-être 5 ou 3, je sais pas. On va voir. Donc je peux parce que je vais tout 10 matchs par jour. Je crois pas que j'y arriverai. Mais vu que vous voulez voir tous les matchs de la saison, alors ça me prendra un peu 2 jours pour filmer tout ça. Et je devrais monter tout ça. Monter tout ça, ça prend pas du temps, ne vous inquiétez pas. Là j'ai un problème, hein. Vous voyez, mon avatar ne marche pas en fait quand je suis... Quand je suis... Je sais pas pourquoi ça marche pas. Hein. Je n'ai pas compris. Allez, je vais voir s'ils vont me passer le ballon. Je protège la balle et je tire. Ouh là là. Voilà, là, c'est le premier tir du match. Bon, je sais pas combien de matchs il y a par saison. Je crois qu'il y en a... 40 si je me trompe pas, donc il y en a 40 et que je fais 10 matchs par saison, ça me fera 4 vidéos en fait par saison. Alors, j'espère que pour GTA ça va pas me faire des trucs comme ça, parce que je prépare une série sur GTA. D'ailleurs j'ai déjà commencé à tourner certaines vidéos, parce que en fait c'est là que j'ai envie de prendre une avance. J'ai envie de faire 5 épisodes avant de commencer à poster. J'ai déjà installé le GTA et tout. Donc vous allez voir, ça sera magnifique en fait, ce jeu. Vous allez voir, c'est une surprise que je vous réserve. J'espère que vous allez aimer en tout cas. Si vous aimez GTA, si vous n'aimez pas GTA, alors normal. Si vous aimez GTA avec les mods et tout ça, donc je crois que vous allez apprécier ce que je vous prépare. Attention, on y va là pour le moment. Et la jolie passe vers Sadio Mané là. Et une autre passe décisive pour notre joueur. En tout cas, on est le meneur de cette équipe. Là, parfois, je dois redescendre pour récupérer les ballons et les faire monter.
Je joue un peu comme Messi. Donc ça, c'était franchement une jolie, jolie passe là. Et je me demande si mon avatar ne marche pas. Est-ce que ça serait pas un problème de mon côté? Attendez, je regarde, je fais le transparent window. Et là, ça marche en fait. Je crois que c'est un problème de transparence là. Je vais régler ça de mon côté. Bon, pour le moment, je vais jouer sur OBS. Après, je vais voir comment je vais pouvoir enlever le background parce qu'en fait, bon, si je vous explique, ça risque d'être très, très long. Mais juste quand je fais ça, ouais, ça marche. Juste quand j'enlève le vert, en fait, c'est une façon automatique d'enlever le fond vert. Et c'est ça qui fait bugger, je crois, mon avatar. Et c'est parti. La première mi-temps est terminée. On gagne ce match. Et le match est terminé, les gars. Ils ont gagné 1-0. Franchement, j'ai raté des occasions là. Bon, c'était un bon match de ma part. Je crois que j'ai une belle note là. Ouais, j'ai une 7-7. Et on est en train de gagner tous les matchs qui suivent là. On était dans une série au début là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Et donc voilà, j'espère. Ma note est en train d'augmenter calmement. Allez, on va jouer contre le FC Cologne. Allez, gros match face à FC Cologne. FC Cologne, je sais pas si ça se dit comme ça. Et voilà, on prend un but face au FC Cologne. On prend... Non, j'étais assez chill là, je me disais qu'on allait gagner ce match facilement, mais non. Mais non. Oui, Football Life 2023, c'est un peu plus difficile que PES. En tout cas, sur chaque difficulté, j'avais testé toutes les difficultés. J'avais trouvé même les difficultés les moins. C'est un peu difficile. Maintenant, Superstar, Légende, c'est juste impossible à gagner. Ça, je vous le dis. Tu peux pas gagner sur Légende. Si tu gagnes Légende, en tout cas, tu es une légende. Attention, je passe, je préfère passer parce que j'étais mal barré là. J'ai pas pu bien récupérer cette balle. Là, mon avatar fait des siennes maintenant. Ah, je crois qu'en fait, il faut tout le temps cliquer sur l'avatar. Est-ce que là, ça marche? Ouais, ça marche bien l'avatar. Donc, maintenant que j'ai la... C'est pas plein écran et là, c'est... Waouh, le poteau. En tout cas, l'avatar, je sais pas pourquoi ça bug parfois comme ça. Voilà. Est-ce que là, ça va? Voilà, voilà, ça marche. Voilà, là, on revient à nos besognes. Là, waouh. Le poteau. En fait, je suis en train de regarder l'avatar live avec vous. En live. Direct, donc. Là, il faut qu'on marque un but, hein. Parce que là... On s'est tellement habitué à la victoire. Attention, là, est-ce qu'il peut... Je demande la balle. Je préfère jouer avec lui. Je préfère jouer avec lui. Et la passe. Est-ce qu'il peut marquer? Comment il a pu rater ça? Et en plus, c'était hors jeu. Là, la jolie passe cette fois-ci. Oh là là, en tout cas c'était un joli dribble, mais le problème tu vois, venir tout le temps du côté gauche, j'aurais dû être gaucher en fait, parce que on dirait que j'aime beaucoup aller du côté droit, il y a des jolis dribbles là, et là je tire, fallait que je passe le roi Sané, je crois qu'il était en position de marquer là, là je crois que j'ai une chance de marquer là, sur le côté, s'il tire bien au penalty là. Ah là là, ça fait deuxième fois que je tire. Je commence à m'améliorer au coup de tête là. Bonne lecture, interceptée. Ça joue haut. Oh, voici Sané. La jolie passe. Et peut-être le but. Et enfin, on marque le but. Ah, c'était très difficile là pour un moment là. Ouais, ça doit être le 4e but du championnat. En tout cas, on traîne derrière. En fait, on rate beaucoup d'occasions. Cette fois-ci, je me dis,
Je vais essayer d'aller tout le temps sur mon pied droit. Plus jamais sur mon pied gauche parce que on a vu ma faiblesse. Regardez là, j'ai super bien joué. Là, j'étais un peu déboussolé là. Mais avec un peu de réussite, j'ai pu marquer. Allez. Kingsley Coman qui vient entrer pour nous aider. Et ça repart du rond. Il a trébuché sur cette intervention. Ça n'a pas pu aller plus loin. La jolie passe là. Et enfin, on gagne le match. Un but, une passe décisive. Franchement, c'est une jolie passe de ma part là. On va revoir ça calmement, regardez. En tout cas, merci de m'avoir donné Müller parce que franchement, les autres, ça n'allait pas en tout cas. Et je crois que Müller venait juste d'entrer là. Et là, je me suis dit, c'est lui qui est le meilleur buteur du championnat, si je ne me trompe pas. En tout cas, avec moi, meilleur passeur, meilleur buteur, on fait la paire. La jolie passe encore. Oh là là. Aucun danger pour le gardien. Franchement, j'arrive à me détacher. En fait, je vois le jeu. J'attire les défenseurs du centre et ça libère les autres. En fait, j'aime quand ils me marquent parce que ça donne beaucoup d'opportunités à mon équipe. Et le match est terminé, les guys. 2-1. Franchement, je suis l'homme du match encore une fois. J'enchaîne les performances. Lui, avec la note qu'on a aujourd'hui, maintenant ça commence à aller mieux. Donc on va voir. Ouais, j'ai eu 7-7. Ah, c'est difficile d'avoir un 8 ici. Hein. C'est très difficile. Il faut marquer au moins 2 buts par match. Et ça peut être difficile. Allez, on va voir. La note, elle est toujours là. Elle n'augmente pas. Mais on va essayer de monter tout ça rapidement. On va jouer un dernier match. Ensuite, une prochaine vidéo. Vous retrouvez sous ce soleil radieux. Allez, c'est parti les guys. Match suivant, est-ce qu'on va le gagner? On va voir. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs, pourvu que ça dure. Allez. Attention, là, je me suis débarrassé de mon... C'est difficile, voilà, j'ai eu un coup franc là, direct. Ah, je me suis débarrassé, je commence à mieux jouer là. Là, je vais laisser le roi Sané, je sais qu'il s'est tiré. Et oui, je savais qu'il allait marquer. Il en a mis tellement cette année. C'est notre meilleur tireur en tout cas de coup franc. J'ai bien fait de me pousser, hein, parce que peut-être il aurait dû me passer, mais je sais pas. Mais voilà, 1-0, on commence très bien. Le match. En tout cas, on devient invaincu. On a perdu juste un seul match au championnat. Bon, c'est le Bayern. Vous savez très bien comment ils dominent ce championnat. La seule raison, c'est si on va en Angleterre, là, peut-être les choses vont changer. Ils essaient de repartir de derrière. Il perd ses appuis. Ballon perdu. Et le match est terminé. C'est le match le plus pourri que j'ai jamais joué, en tout cas. Même si on a gagné, mais franchement, c'était pourri, pourri. Voilà. Sentait que le jeu ne voulait pas qu'on joue, en tout cas. Il y a des moments où il y a du script, les guys. Il y a du cheat. 8 buts, 14 passes décisives cette saison. Ah là là. Franchement, je ne suis pas un bon buteur. Je vais jouer un dernier match. J'avais dit que ça serait le dernier match. Mais vu le match, je n'ai pas envie de terminer sur un match pourri comme ça, les guys. Alors, on va jouer notre match face à Bochum. En fait, moi, je disais Bochum. Alors qu'on dit Bochum, les gars, on dit Bochum. Jolie passe. Très jolie passe. En tout cas, les passes décisives cette saison, je suis le boss. En fait, je suis le boss. Mais pour marquer, là, c'est un problème, les gars. Je sais que vous êtes là pour voir des buts, mais... Regardez aussi mes passes décisives. En tout cas, j'ai une vision de passe. Et j'ai une passe précise de haut niveau, les guys. Ils ont pris l'avantage. Tiens, un peu de téléphoner, Campas. Hernandez. Et l'arbitre siffle.
Le match est terminé, les guys. C'était notre dernier match. Franchement, je joue bien, mais c'est difficile là. Je commence à être frustré parce que j'ai l'impression que le jeu est contre moi et on sent directement. Donc voilà, j'arrive à 85. Donc ça monte, passe à terre. Vous voyez, j'ai deux étoiles. Passe en dribble. J'ai une étoile. J'ai 22 ans. Je commence à vieillir, les gars. Je commence à vieillir et il faut que je confirme. On va faire entraînement. Qu'est-ce que je dis? Talonnade. Oh, j'avais gardé ça pour rien. Passant une touche. Ouais, passant une touche peut-être. Mais j'avais dit que je voulais faire. Et s'il y a spécialiste. On va s'entraîner pour le coup du sombrero. Parce que. Je me dis, ça, on va s'entraîner ça pendant 40 jours. Après, on va entraîner les autres petit à petit. Passe, ça va. Donc, du coup, vu que j'ai des problèmes en tir, je vais augmenter un peu les tirs. Faire même les passes, je vais diminuer pour mieux m'entraîner sur les tirs. Je vais voir mes données, en fait. Je vais voir mes stats. Donc, on va voir les stats et finition. Regardez, 74, les guys. C'est pour ça que j'arrive pas à marquer. Voilà, je crois que ma place en tant qu'attaquant, franchement, ça ne va pas. En tout cas, je ne sais pas pourquoi le jeu m'a donné peu en finition, aussi peu. Et tous les autres stats, ça va. Hein. Effet, coup de pied arrêté, accélération, puissance tir, détente. Mais regardez, finition, c'est juste impossible. Je vais d'ailleurs augmenter ça à fond là. Dribble, je vais diminuer un peu. Et voilà, 6, je vais augmenter à 6. Et là, cette saison, il faudra qu'on s'entraîne à mieux marquer. Et là, la vidéo va se terminer par ici. Merci pour avoir regardé la vidéo. Vous connaissez le rituel. N'oubliez pas de laisser un like. Parce qu'on m'a dit, il faut que tes vidéos s'améliorent sur YouTube. Il faut des likes. Parce que d'après YouTube, regarde l'interaction que tes abonnés ont eu avec ta vidéo. Donc, si vous êtes déjà abonné, vous connaissez le rituel, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et likez. Ceci me motive à continuer à faire les vidéos et c'est gratuit, c'est rien. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les guys.